n'était pas bon. Mbappé fait un match épouvantable. Épouvantable. Lui aussi, c'est à regarder de près, mais même sur les derniers matchs de l'équipe de France, le dribble que tout le monde commence à connaître maintenant et qui bientôt va peut-être arrêter de mettre en difficulté les défenseurs, il va falloir qu'il trouve autre chose. Il rate une occasion en première mi-temps qu'à ce niveau-là, tu ne dois pas rater. Et puis surtout, quand tu joues dans la position... Et surtout, tu ne joues que quand tu as le ballon. Exactement, il ne joue que quand il a le ballon. À ce niveau-là, tu ne peux pas te permettre de ne pas les faire, les contre-efforts. Parce qu'en équipe de France, vu que toute l'équipe est bâtie pour défendre, ça peut commencer à lui plaire. Au PSG, ça collera pas au niveau. Non, il peut le faire contre Lyon, de rater 15 occasions avant d'en mettre 4 de suite. Mais tu sais quoi, Nathalie, ce soir-là, moi j'avais considéré que Mbappé n'avait pas fait un grand match contre Lyon. Mais les 4 buts avaient fait de lui un ballon d'or pour tous les médias français. C'était une erreur d'appréciation. Donc, que Meunier, peut-être découvre Naples ce soir ou que des gens découvrent. Et c'est en plus une équipe dirigée par un très grand entraîneur. Et tu sais pourquoi, tout à l'heure,